Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, on se retrouve pour une petite vidéo là entre. C'est le week-end, juste avant les examens, c'est dans 2 jours que ça commence. Je prends là un petit quart d'heure pour vous dire que j'ai imaginé quelque chose pendant les vacances. J'ai continué à monter mon roublard et tout ça, vous inquiétez pas, c'est pas. Avant tout que les gens, ouais, tu continues pas ta série et tout ça. Si, je n'arrête rien du tout. Hein. C'est juste pour vous dire que la Capiteam va avoir un gros changement. Donc, il y a deux persos sur quatre qui vont être modifiés. Moi, de mon côté, le roublard, on va le mettre de côté pour le moment. Moi, je vais me créer un nini là, qui s'appelle Cardiaque. Et Aurel, lui, arrête le steamer et. Va mettre un Enu ou un Zobal, on sait pas encore. Je pense qu'on va pencher plus sur un Enu. Comme ça, on aura vraiment une team. Comment dire. OP. Hein, je sais pas comment je pourrais dire autrement. Donc, on aurait Eni, Sacri, Yop, Enu. Donc, avec ça, normalement, si on les monte bien, on devrait gérer jusqu'aux portes de Frigos 3. Peut-être après, on verra bien. Donc pendant les vacances, ce que je vais vous proposer, ça va être pas mal de vidéos avec Lampin, du Coliseum et aussi des vidéos de la Capitaine. Donc ça va être toute, pas une série, mais des vidéos qui vont suivre comment je plaignis, où est-ce que je vais pour le up et tout ça. Donc voilà, là, elle est déjà niveau 54, j'ai uniquement fait. Je vais vous montrer. Je crois que j'ai fait 4 donjons. Donc j'ai fait le melee, le tournesol, le bouffetou et le chaffeur. Ah ouais, le forgeron aussi. Donc j'ai fait seulement ça. Hein. Comme vous pouvez voir, les stats sont même pas montées. J'ai oublié de mettre certaines choses. Voilà. J'ai encore d'autres trucs en banque, hein, vous inquiétez pas. Donc je vais aller avec vous tant que j'y suis. Donc ce sera le. Comment dire, un épisode d'optimisation de Lini parce que j'ai. Ce qu'il y a, c'est que j'ai remis le stuff du roublard en vente et du sacri pour le moment. Puis après, j'ai re-acheté un stuff pour le sacri, donc le même stuff Panneau Nevark et Panneau Alistair. Et je vais le mettre au bâton Brel, au marteau Oracle, au cas que je verrai bien. Et comme ça, moi de mon côté, bah, j'aurai mon sacri pour faire tous les succès 1 à 50 avec Lini. Et comme ça, ben, elle va bien monter. Donc là, pourquoi j'ai pas investi un seul point? Non, j'ai pas utilisé de restat. Hein. C'est vraiment depuis le niveau 1, j'ai utilisé aucun point. Et je vais aller vous montrer pourquoi. Parce que je vous ai préparé quelque chose. Alors voilà, un petit parchotage ça. Et un petit parchotage Intel. Qui sont les bienvenus. J'ai des items aussi à prendre ici, voilà. Lui on peut le prendre, ça on peut le prendre. J'ai pas mal de trucs. Parce qu'en fait j'ai jamais vraiment joué d'Eniripsa à haut niveau. Et je me suis dit que ça pourrait être un petit challenge à se donner, ça pourrait être pas mal. Comme ça j'aurai Eni Sacri et une fois que mon Eni sera pas mal monté, mais je crois que ça peut être pas mal en fait comme duo. Pour gérer pas mal de donjons, je pense. Donc, on pourrait essayer de faire des succès en duo de gros donjons. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre les petits parchemins ici. Donc, les petits là, les normaux là, les grands là et les puissants. Alors, le petit, les pins, les grands et. Les puissants. Donc ce que je vais faire, c'est je sais pas si. Je pense pas que je le mette full sassa en fait, Lenny. Je crois que je vais le mettre directement full intelligence. Pour la simple et bonne raison que comme je suis en XP x4 jusqu'au niveau 84, je pense. Et puis après, je serai en XP x3 jusqu'au niveau 150. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas si c'est très intéressant de claquer notre reconstitution, entre guillemets. Même si, ouais non, en fait, je vais le mettre full ça, parce que c'est vrai qu'une fois que je le mettrai intelligent, je mettrai 300 en intel et le reste en ça, voire en vitalité si je pare shot par après, donc on verra.
Donc là, on va prendre les pare-chocs de sagesse, les 25 petits. Mais je pense qu'il y a un raccourci, on va essayer. Voilà, alors lui c'est ça, on prend les 5. Les 25 grands. Alors, c'est ça le raccourci, ouais. On prend les 29 grands. Voilà. Et les 11 puissants, c'est le truc juste à côté. Voilà, donc un petit pare-chotage 101. Maintenant, on va passer à l'Intel. Donc, et comme vous pouvez voir, ça va vraiment être un perso que je vais jouer beaucoup. Donc, c'est sur le même compte que mon roublard Capitaine Flamme. Hein, donc, vous inquiétez pas si vous me voyez connecté sur les nids pour le moment. Enfin, non, pas pour le moment, mais durant après les examens. Vous me verrez beaucoup sur les nids, vous allez le voir up assez rapidement. Parce que ben, on va essayer de les monter les persos. Déjà les nids, il faudrait qu'ils montent 150 pour avoir la panneau CM directement. Et à partir de là, je le restaterai un tel. Et puis comme ça, on pourra passer au gros donjon et tout ça. Donc voilà, on a le pare-chotage 101 un tel et 101 sagesse. Qui est bon, donc on va se mettre full ça. Voilà, donc on se retrouve avec 372 sasa, donc là on va optimiser un petit peu la sagesse. L'Adelus, tu viens là. J'ai mieux que ça, les Moon Boots, 32 sasa. Ah merde, c'est niveau 62, je peux pas le mettre. Il faut que j'aille acheter, ah oui j'ai mis le Kawot 50 et l'Eucalyptus du Roublard. Donc j'ai ça, faudrait que j'aille chercher une amu de la boule. Vous savez qu'on va le faire ensemble tant qu'on y est. Comme ça, je fais une petite vidéo avec vous qui durera un peu plus longtemps. Ah oui, en même temps, on va faire les succès Bonta. Ça, c'est bien. Donc, on va aller à la banque chercher les Kamas. Voilà, comme ça, on se prend une petite dragoon. On va prendre 15 millions. Voilà, alors, amulette. Je dois avoir une amulette de la boule qui traîne. Même pas. J'avais quoi? Les bonnes... Coiffe. Mais non, j'ai ma presse-pique déjà. Ouais. On va aller chercher une dragoon rose. On va aller voir après pour une baguette en racine d'abracnide. Une coiffe oreille de Wabbit ou autre chose, je verrai bien suivant les prix parce que je trouve ça un peu ridicule pour 10 ou 15 de sassa en plus de payer des machins à 1 million. Et une amulette de la boule. Ah ouais, merde, mais. Je pensais que mes deux allants Silly étaient plus 31. Donc on va aller HDV animaux. Voilà, donc on XP bien avec les succès en XP x4. Alors, familiers, ils sont ici. 2 millions 5. On va regarder les autres dragoons. C'est pareil. Une 53 millions 1. Et alors, il y a les petits Fux aussi. Non, Givre Fux. Non, lui, il donne pas assez. Et quoi, l'accent gain 2 millions 6. Ouais, je crois qu'on va partir sur une dragoon rose. C'est le plus connu et c'est ce qui se vend le mieux en général. Donc voilà, dragoon rose. Je vais voir s'il n'y a pas une 55. Non. 2 millions 8. Ouais, non, on va partir sur une plus 50 à 2 millions 5. Voilà. On va se les. Merde, c'était pas ça que je voulais faire. Donc voilà, une petite dragoon rose. On va chercher une amu de la bouboule. Alors, bijoutier. Voilà. Et voilà, comme ça on a un succès en plus. Alors, amu de la boule. Amu de la boule. Putain, 81 000. On va essayer d'avoir un 35. Qu'une 34 ce serait déjà bien, mais c'est parce que ouais, c'est beaucoup trop cher. On va prendre la 34.
Voilà. On va se l'équiper. Alors, qu'est-ce qu'on pourra encore changer? Ah oui, le CAC, on avait dit. Hôtel de vente des sculpteurs. Alors, une petite baguette. Racine d'abracnide qui monte à 32 sasa. Pourquoi je mets à chaque fois mode vendeur? Je sais pas pourquoi, c'est un réflexe que j'ai. Alors, abracnide. Alors, on va chercher une 30 sasa. 29, 29, 30. 33. Ah ouais, ça monte. Ça monte jusqu'à 33. Et il y en a une 33. Bon, on va prendre celle-là. Ça, c'est bien. Voilà. Et alors, on va aller voir ensuite. À l'HDVD tailleur, pour une fois qu'il sera niveau 60, pourquoi pas mettre des oreilles de Wabbit? Les oreilles de Wabbit, elles sont là. Ouais, c'est 450 000 kama. Pour 22 500 en plus, c'est un peu abusé. Alors, on va plus regarder pour, je pense, un chapeau Terre d'Allah qui donne. Non. C'est plus haut niveau, je pense. Là. Ouais, mais je crois que j'en ai un en plus sur ce dans la banque. J'ai pas fait attention. Je le coiffe plus. 30 ça, ce serait bien. On va regarder s'ils en ont pas. Si. Ouais, 150 000 kama. Ok, j'ai compris. Je vais garder ma panoprespic. Puisque de toute façon, en fait. Ah ouais, non, merde, j'ai plus le bonus. Tant pis. Parce que j'allais dire, sinon, comme j'ai les. Si jamais j'ai deux items, je pensais que ça donnait de l'assassin, mais en fait, non, c'est à partir de 3 que ça en donne. Donc ouais, c'est pas mal l'opti. De toute façon, on est à 512 de Sasa. Au niveau 54, c'est pas mal du tout. Surtout que c'est un stuff comme ça, vite fait, que j'ai pas vraiment cherché à l'optimiser. Et donc voilà. On va se quitter là-dessus. Donc je vais vous montrer un petit peu mon petit tennis. Donc moi, par contre, je vais vous demander dans les commentaires, bah, ce que vous en pensez, si vous avez des conseils à me donner pour monter un Inirepsa. Je vais vous montrer un petit peu les sorts que j'ai déjà montés, donc revitalisant, mode amitié, mode préf, stimu, soignant. Je compte encore monter, je vais vous montrer. Je dois encore monter interdit. Sacrifice. Je garde pour altruiste et reconce. Je monterai peut-être mon envol par après. En fait, je vais monter beaucoup de sorts niveau 5. Et je mettrai seulement au niveau 6 le mot soignant, je pense. Et le revitalisant quand je serai HL. Mais sinon, les autres sorts, je les garderai niveau 5 pour. Quoique c'est vrai que Stimule est bien aussi niveau 5. Enfin, on verra. Hein. C'est pas maintenant. Pour le moment, c'est l'ex-examen. Donc voilà. Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette petite série, entre guillemets. Encore une fois, que je vous dis, c'est pas vraiment une série, c'est juste des vidéos que je vous montrais comment je fais pour monter un personnage, une mule, entre guillemets, en XP x4, assez rapidement. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin d'année à tous et passez des bons examens. J'espère que vous allez tous réussir les 14 000 abonnés, 14 500, pardon. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Salut à tous les amis. Ciao, ciao.